Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour ce webinaire qui sera consacré donc à l'évaluation du risque routier. Ce risque qui est malheureusement parfois méconnu justement des entreprises. On va le voir ensemble, qui est parfois méconnu des entreprises parce que justement ils n'ont pas forcément identifié et aussi évalué dans votre document NIC. Donc c'est très important de prendre en compte justement ce risque routier-là. En tout cas, l'objet du webinaire, c'est justement de vous montrer les différents enjeux de ce risque-là, de risques routiers qui peuvent être importants, qui sont importants, et surtout vous montrer que le risque routier, vous avez la possibilité de mettre en place plusieurs axes de prévention pour justement limiter le risque routier en entreprise. Donc moi, je m'appelle Shamim Salamut, et donc je suis intervenant en prévention. Donc, je vais vous faire un petit laïus là-dessus, pour votre information en tout cas. Je pense que vous connaissez tous votre médecin du travail et éventuellement l'infirmière ou l'infirmier de santé au travail que vous avez peut-être déjà vu, notamment en visite médicale, par exemple. Donc, vous avez ces deux personnes-là qui, eux, ont la partie médicale, donc ils vont suivre l'état de santé en fait, de vos salariés tout au long de leur activité professionnelle. Et ensuite, à côté, justement, vous avez un département prévention qui est là justement pour vous accompagner sur vos démarches de prévention. Et donc là, c'est ce qu'on fait notamment sur le risque routier. Hop. Donc, bien entendu, je vais vous transmettre à la suite de ce webinaire-là la diapositive, donc les diapositives, donc la présentation. Donc ça, je vais vous transmettre. Je vais vous transmettre également la vidéo sur laquelle je suis en train d'enregistrer ce matin pour que si jamais vous avez des questions ou vous souhaitez revoir une partie, comme ça vous pouvez voir aussi justement les échanges que j'ai pu faire sur différentes parties, sur différentes diapositives. Et donc là, on est ensemble jusqu'à à peu près 11 heures. Donc, je suis désolé, on a commencé légèrement en retard, notamment avec ce filtre arc-en-ciel qui était là. Mais voilà, donc on est à peu près ensemble jusqu'à 11 heures normalement. Ce que je vous propose, c'est que lorsque vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser, même si ça n'a rien à voir avec le risque routier et vous avez une question comme ça qui vous vient à l'esprit, n'hésitez pas à me la poser sur l'outil discussion. Et moi, j'y répondrai. J'y répondrai si justement j'ai la réponse. Mais surtout, ce que je vous propose, c'est que je puisse y répondre pendant justement les différentes diapositives. Alors parfois, je peux pouvoir justement répondre aux questions à la fin du webinaire. Mais là, ce que je vous propose, vu qu'on est 8 personnes, c'est que justement, je puisse répondre directement à vos questions pour éviter que justement que vous attendiez à la fin du webinaire pour avoir une réponse à vos questions. Donc surtout, n'hésitez pas à me poser des questions. Pour quoi que ce soit, il n'y a pas de problème, j'y répondrai avec grand plaisir. Surtout là-dessus, n'hésitez pas. Alors, ce que je vous propose pour cette matinée, pour ces 1 heure qu'on a ensemble, c'est déjà qu'on puisse parler le même langage. Qu'est-ce que c'est que le risque aussi? C'est très important à surtout ne pas confondre avec l'accident de trajet. On va voir tout à l'heure. C'est très important justement de faire la distinction entre accident du travail qui implique donc le risque routier en entreprise et l'accident de travail. Ensuite, je vais vous montrer justement les différentes conséquences, donc les différents enjeux par rapport au risque routier et vous allez voir qu'ils sont assez importants justement d'une entreprise à l'autre, mais surtout d'un accident à l'autre qui sont très importants que ce soit pour le salarié, mais aussi pour l'entreprise. C'est important que vous puissiez comprendre cette partie enjeu du pourquoi il faut évaluer les risques routiers en entreprise. Ensuite, ce que je vous propose dans un troisième temps, c'est de parler, de vous expliquer l'ensemble des axes de prévention sur lesquels vous pouvez travailler pour limiter justement le risque routier en entreprise. Alors, donc, concernant justement les différents enjeux par rapport au risque routier, il y en a trois. Donc, vous avez le côté humain, forcément, parce que si demain il y a un accident lié à la circulation, finalement, ça touche justement des salariés de votre entreprise. Vous avez le côté économique, parce que ça peut toucher la partie économique du salarié, mais aussi de l'employeur. Et moi, je vais m'axer notamment sur le côté employeur. Et ensuite, vous avez la responsabilité civile et pénale qui peuvent être engagées, que ce soit pour le salarié, mais aussi pour l'entreprise. Pourquoi c'est un enjeu humain? Parce que si demain, admettons, une personne venait à avoir un accident lié à un accident de la route, ce qu'il peut avoir en tout cas en termes de conséquences, ça va être des lésions physiques et mentales. Ces lésions physiques peuvent malheureusement
engendrer aussi des handicaps pour la personne, des problèmes familiaux aussi, parce que finalement, les différents handicaps qu'éventuellement il aura, bah finalement, ça peut également provoquer des problèmes familiaux, justement, de réadaptation, de réorganisation de la vie personnelle et vie professionnelle, et une possibilité de perte d'emploi pour le salarié. Alors là, je ne l'ai pas mis, hein, mais j'aurais dû le mettre, mais c'est justement aussi une des conséquences qu'on peut avoir, c'est tout simplement le décès de la personne. Donc vous voyez que finalement, l'impact humain est très important pour les salariés parce que ça peut aller à de simples lésions physiques, voire rien du tout, parce que finalement, l'accident lié à la circulation, voilà, il n'y a pas eu de dommages corporels. Par contre, il peut justement aller jusqu'au décès. Donc c'est très important de prendre en compte qu'au niveau humain, c'est très important comme conséquence, en tout cas. Que peuvent engendrer donc l'accident de travail. Pour vous donner un ordre d'idée, une petite information, le risque routier aujourd'hui, c'est la première cause d'accident mortel. Ça, c'est très, très important. Après, ensuite, vous avez les accidents mortels dans le BTP, par exemple, sur les chantiers. Mais la première cause d'accident mortel en France, c'est 356 personnes décédées. Alors ça, ce sont des chiffres de 2020. Et rappelez-vous, en 2020, c'était le confinement. Enfin, c'était en tout cas la partie premier confinement, etc., avec justement, et aussi d'autres confinements avec l'impossibilité de se déplacer, etc. Donc, vous voyez que 356 personnes, finalement, il est un petit peu tronqué parce que il y a eu plusieurs moments où bah, c'était compliqué, on ne pouvait pas forcément bouger de chez nous. Donc, vous voyez que finalement, 356 personnes, ça correspond quand même à une année qui a été quand même assez particulière. Ensuite, pour vous parler un petit peu justement de l'accident de trajet, pour faire la différence, la distinction entre accident de trajet et accident de travail, c'est important que vous puissiez comprendre justement qu'il y a des spécificités par rapport à ça. Pour vous donner un ordre d'idée là aussi, donc en 2020, vous avez 49 000, donc on va dire 50 000 personnes qui ont été victimes d'un accident de la route lié au travail. Et parmi ces 50 000 personnes, finalement, vous avez eu 38 000 personnes qui ont eu un accident de trajet. L'accident de trajet, c'est quoi? C'est un accident qui est survenu pendant le trajet, donc du domicile travail. C'est très important. Par exemple, je prends mon véhicule, enfin, je sors notamment de chez moi, donc voilà, je ferme la porte, etc. Dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un accident entre mon domicile et le travail, on parlera d'accident de trajet. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si le salarié venait à prendre son véhicule, son vélo, par exemple, sa trottinette, je ne sais pas, par exemple, ou un scooter, ou n'importe où, voilà, il sera en accident de trajet si il va justement de son domicile au travail. Très important. Par contre, si justement il réalise des déplacements pendant le temps de travail, là, il sera en accident de travail. Et ça, c'est justement sur lequel on va axer notre présentation aujourd'hui. Alors, par exemple, l'accident de travail, ça va être une personne qui va peut-être sortir de chez elle, de son domicile, mais qui va directement se rendre chez un chantier, sur un chantier, par exemple, qui va directement se rendre sur, je sais pas, voir un client, par exemple. La personne qui va directement aller en intervention, ça va être justement des accidents de travail, et non des accidents de travail. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, finalement, c'est que parmi les 50 000, tout à l'heure, on avait dit qu'il y avait eu des accidents liés à la circulation de la route, 11 000 ont été justement déclarés comme accidents de travail. Alors, chose que je n'ai pas fait, je suis désolé, c'est que tout à l'heure, justement, avec les bugs qu'il y avait eu avec justement le filtre arc-en-ciel, j'ai complètement oublié de vous demander, de vous présenter si ça vous va. Pour moi, c'est important que vous puissiez me dire, si vous êtes d'accord, en tout cas, dans l'outil discussion, que vous puissiez me dire votre fonction, que vous puissiez me dire votre secteur d'activité. Et si vous avez un document unique au sein de votre entreprise. Moi, ça me permet, de mon côté, de pouvoir vous donner des exemples par rapport à votre secteur d'activité. Je suis désolé, j'ai complètement zappé tout à l'heure parce que justement, il y a eu ce filtre-là et donc je me suis dit qu'il fallait vite commencer. Mais ce que je souhaiterais savoir, c'est pour les 9 participants qui sont présents, si vous pouvez me dire quelle est votre fonction aujourd'hui au sein de votre entreprise, dans votre secteur d'activité, si vous êtes par exemple dans le conseil, vous êtes, je ne sais pas, genre de choses, et que vous puissiez me dire si vous avez ou pas un document unique dans votre entreprise. Moi, ça me permet de vous donner des exemples précis, concrets justement par rapport à votre
à votre secteur d'activité. Alors, parfait. Donc, Office Manager. OK. Parfait, un document unique. Puisque nous avons des commerciaux qui sont souvent OK, d'accord. D'accord, OK. Pour Madame Guignard et Monsieur ou Madame Martin, je veux bien que vous puissiez me dire quels sont les salariés qui utilisent un véhicule dans le cadre du travail aussi. Là, je sais parce que du coup, pour Madame Lerette, c'est justement des commerciaux. Et une société de câblerie, j'imagine que ce sont les intervenants qui vont justement chez les clients pour réaliser leurs interventions. OK, donc des commerciaux également. Les commerciaux. Les essais financiers, pas des clients, essentiellement informatique. Sur place, en place. OK, d'accord. OK, et pour vous, du coup, Madame Cocard, quelles sont les personnes qui utilisent un véhicule dans le cadre du travail, je veux bien que vous puissiez me le dire si ça vous va. Donc j'ai l'impression, en tout cas, dans toutes vos réponses, finalement, vous avez plusieurs, enfin vous avez tous votre document unique et finalement vous avez la plupart des commerciaux, les intervenants qui. Ok. Donc là, ce que je comprends, c'est principalement les commerciaux qui utilisent un véhicule. Ok. En tout cas, merci pour vos réponses. Je suis désolé, tout à l'heure, j'ai essayé d'aller vite finalement parce qu'il y avait le petit souci, mais deux véhicules automobiles viennent de vélo. OK, donc il y a aussi des vélos. OK, bah, parfait. Bah, merci en tout cas pour vos réponses. Elles sont très intéressantes et très claires. Donc moi, ça me permet justement d'axer aussi ma présentation sur éventuellement les commerciaux dont je vois, et notamment des personnes du terrain aussi, notamment avec la société de câblerie. Et le vélo aussi. Parfait. Bah, merci pour vos réponses. Alors, pour en revenir justement à l'accident de travail, c'est très important. L'accident de travail, l'accident de mission, ça va être des accidents qui sont survenus pendant le temps de travail. Donc, ça va être, par exemple, une personne qui va aller au bureau et finalement, entre le bureau et sur le chantier, elle a besoin de prendre un véhicule. Entre le bureau je sais pas, et aller chez le client, par exemple, les commerciaux ont besoin d'aller chez le client pour en discuter justement du contrat, d'aller visiter l'entreprise, de finaliser le contrat, par exemple, de discuter d'autres choses. Là, ça va être des accidents de travail. Important, la personne qui va partir de chez elle, par exemple, et qui va aller directement voir un client, qui va directement aller sur le chantier, qui va directement aller, par exemple, installer des câbles, comme vous l'avez dit tout à l'heure, directement chez un particulier dans une entreprise, la personne sera directement associée à un accident de travail si jamais il y a un accident qui est survenu par rapport à ça. Très important de prendre en compte que vous avez deux types d'accidents, accident de travail et accident de travail. Et sur lequel on va se focus aujourd'hui, c'est l'accident de travail. J'espère que c'est clair là-dessus, en tout cas. Alors, ce que vous savez, généralement, c'est justement les coûts directs que vous avez. Parce que finalement, lorsque vous avez eu un accident de travail, vous savez justement mesurer les frais médicaux qui sont alloués à ça, les indemnités journalières et quelques coûts identifiés, taux d'accident du travail ou maladie professionnelle, par exemple. Ça, vous savez chiffrer parce que ce sont des factures que vous avez, ce sont des chiffres que vous avez. Par contre, ce que vous n'avez pas, c'est les coûts indirects. Par exemple, vous avez une personne qui malheureusement a eu un accident de travail lié à la route. Donc, cette personne va être, je ne sais pas, absente pendant 6 mois, par exemple. Ben, ce qui va se passer, c'est que pendant ces 6 mois, il faudra peut-être la remplacer, cette personne-là. Donc, ce que vous allez vous dire, c'est est-ce que ben, finalement, son activité, ben, je le partage avec les salariés qui sont déjà présents? Alors, si vous faites ça, c'est bien d'un côté parce que vous n'allez pas recruter éventuellement. Par contre, ce qui est dommageable pour les salariés qui sont présents, c'est que ben, eux vont déjà faire leur activité, mais vont aussi avoir une autre activité justement et donc forcément dans leur activité au quotidien finalement ils vont avoir plus de travail. Par contre, demain vous vous dites bah, finalement on va éviter de donner l'activité aux autres salariés, on va créer un autre poste. Bah, vous voyez que ce poste-là ça va vous coûter de l'argent également.
il faut prévoir un budget. Ça veut dire qu'il va falloir, par exemple, écrire des offres d'emploi dans un premier temps. Il va falloir aussi recevoir les différents candidats. Il va falloir aussi délibérer par rapport à ces différents candidats. Si demain vous prenez une personne pour 6 mois, il va falloir aussi se dire, bah, est-ce que je lui donne en termes de dotation un camion, une voiture, de service ou de fonction? Est-ce que je lui donne aussi un PC portable? Est-ce que je lui donne, par exemple, si c'est des commerciaux, par exemple, est-ce que je lui donne tous les outils, notamment pour installer les câbles chez les clients? Est-ce que je lui donne, par exemple, un téléphone portable? Vous voyez que finalement, bah, en termes de budget, vous allez vite, justement, y arriver à que ce soit très cher finalement. Donc c'est important que vous puissiez vous dire que peut-être que les coûts directs, vous les savez. Par contre, les coûts indirects, on ne les connaît pas forcément, mais ça peut être justement plus cher. Et d'où l'intérêt de vous dire que finalement, les coûts indirects par rapport à une absence ou à un accident de travail lié à la circulation de la route, bah, finalement, c'est 3 à 5 fois supérieur aux coûts directs. Et les coûts indirects aujourd'hui, ça équivaut à 725 millions d'euros. C'est quand même énorme pour les entreprises, justement. Et malheureusement, ce coût indirect, il n'est pas forcément connu. Alors que c'est très important de vous dire que derrière, il y a des coûts indirects qui vont faire que ça va avoir un énorme impact, justement, pour votre entreprise. D'où l'intérêt, justement, de mettre en place plusieurs axes de prévention par rapport au risque routier, pour éviter justement que vous puissiez, vous, de votre côté, avoir un gros impact financier et économique de votre côté. Alors, l'accident de travail, c'est très important, ça peut avoir des conséquences multiples et très importantes, que ce soit pour le salarié, mais aussi pour l'entreprise, parce que ça peut également engager la responsabilité civile et pénale du salarié, forcément, mais aussi la responsabilité civile et pénale de l'entreprise. C'est ce qu'on va voir ensemble. Pour vous faire un petit laïus, notamment sur la faute inexcusable de l'employeur. Peut-être que certains d'entre vous, parmi les personnes qui sont présentes, savent ce que c'est. Mais moi, ça me paraissait important de pouvoir, en tout cas, vous le notifier. En tout cas, vous notifier cette notion qui est très importante pour moi. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous ne comprenez pas, mais il n'y a pas de souci pour que je puisse répéter. Mais pour moi, c'est important que vous puissiez prendre en compte cette notion par rapport à l'employeur. La faute inexcusable de l'employeur, c'est quoi? C'est correspond donc à un manquement de ce dernier à son obligation de sécurité et de résultat, qui est révélée notamment par un accident du travail ou maladie professionnelle. L'employeur aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires pour le prévenir. En gros, il se passe demain un accident du travail ou maladie professionnelle par rapport à un de vos salariés en entreprise. Le salarié peut vous attaquer, notamment donc auprès du tribunal des affaires de la sécurité sociale, et vous attaquer pour faute inexcusable de l'employeur. En gros, il a eu son accident du travail et il vous attaque en disant que vous n'avez pas mis en place les mesures nécessaires alors que vous auriez dû avoir conscience ou que vous aviez conscience du danger, mais vous n'avez pas mis les mesures nécessaires pour le prévenir. Alors, de son côté, le salarié, pourquoi il peut invoquer ça au tribunal? C'est pour avoir notamment d'obtenir une majoration de sa rente, éventuellement si par exemple il venait à être en situation de handicap, là il pourrait avoir une majoration de sa rente et aussi avoir une majoration de la réparation de ses préjudices. Très important, si demain, admettons, vous avez du risque routier, vous n'avez pas mis en place le document unique, là vous pouvez être sûr à 100% s'il se passe un accident de travail et que le salarié vous attaque auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale, vous pouvez être sûr à 100% qu'il va gagner. Si demain, par exemple, vous avez un accident de travail, que vous avez un document unique, mais que vous n'avez pas identifié le risque routier dedans, dans votre document unique, là, vous pouvez être sûr à 100% qu'il va gagner. Donc, c'est important que vous puissiez vous dire que déjà, votre obligation à vous, c'est de mettre en place l'évaluation du risque, d'intégrer le risque routier et de le formaliser dans le document unique. Très, très important. Je vais vous donner 2 exemples qui s'est passé, 2 cas concrets, en tout cas 2 cas qui s'est passé, notamment, je crois que c'était en 2004 et en 2006, pour vous montrer justement des exemples de faute inexcusable de l'employeur. Donc, vous aviez une société de BTP, donc ça c'était en 2004, il me semble, une société de BTP. Cette société-là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, en fait, elle a obtenu justement un marché, donc via un appel d'offres, etc. Donc, en fait, c'était le gouvernement qui cherchait des entreprises de BTP.
et qui cherchait une entreprise de BTP du jour au lendemain. Donc, c'était vraiment rapide en termes de délai. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, finalement, le gouvernement, donc il y avait un événement médiatique, etc., un événement international, et donc plusieurs chefs d'État devaient passer à un endroit justement bien défini sur Paris. Et finalement, lorsqu'ils ont refait ce chemin-là, ils se sont aperçus qu'il y a un monument, une partie en tout cas d'un monument qui était complètement sale, complètement à refaire, qui n'était pas du tout correct. Et finalement, ils se sont dit, bah, finalement, ça va être retransmis à la télévision au point de vue international. On va se dire, bah, c'est compliqué de montrer ça, justement, de dire, oui, on voit que les chefs d'État, justement, avancent, et de montrer justement cette image-là au niveau international. Donc, ils se sont dit, bah, il faut à tout prix qu'on puisse rénover ce monument à ce moment-là, qu'on puisse le nettoyer, le dégager, que ce soit propre. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'une société de BTP donc, a réussi à avoir cet appel d'offres, a répondu à cet appel d'offres et a réussi à gagner ce marché-là. Donc, du jour au lendemain, donc le lendemain, tout simplement, voire le surlendemain, à peu près, cette entreprise est intervenue pour rénover justement ce monument. Et donc, entre-temps, l'entreprise, elle a d'autres chantiers derrière. Et donc, pour avoir ce chantier-là, bah, il fallait à tout prix qu'ils puissent recruter de leur côté parce qu'ils n'avaient pas assez de ressources justement en interne. Donc, ce qui s'est passé, c'est que cette entreprise a fait appel à des intérimaires pour travailler justement sur une à deux journées justement pour faire le travail. Ce qui s'est passé, c'est que le chef de chantier, le chef d'équipe a demandé à l'intérimaire d'aller donc, de commencer par le haut et donc de commencer justement à peindre le monument pour justement pouvoir le rénover. Donc là, le salarié, il s'y prête au jeu, donc il monte sur l'escabeau et là, il commence justement à nettoyer le haut du monument. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que finalement, le salarié tombe et donc justement se casse plein de membres, que ce soit supérieur et inférieur. Là, c'est un accident du travail parce que le salarié est justement dans le cadre du travail. Ce qui s'est passé, c'est que le salarié est parti notamment au tribunal des affaires de la sécurité sociale et a justement attaqué l'employeur pour faute inexcusable de l'employeur. Et là, il a gagné. Pourquoi? Parce que l'entreprise déjà n'avait pas mis en place l'évaluation des risques et n'avait pas formalisé son évaluation dans le document annexé. L'employeur n'avait pas aussi informé et formé le salarié aux risques professionnels auxquels il est soumis, exposé, n'avait pas formé le salarié aussi aux différents outils qu'il a utilisés, notamment par rapport à l'escabeau, par rapport à la peinture, par rapport aux produits chimiques qu'il utilisait. L'entreprise n'a pas fourni aussi les équipements de protection, pas de casque, pas de vêtements de travail, pas de chaussures de sécurité. Alors, même si que finalement, si la personne venait à tomber, les chaussures de sécurité ne servent pas forcément à grand-chose, mais voilà, donc cette partie-là, il n'y avait pas. Et aussi, ce qui s'est passé, c'est que le tribunal a dit que le chef d'équipe, l'employeur, aurait dû aussi avoir conscience du danger. Parce que finalement, ce jour-là, il pleuvait et il y avait du vent. Et manque de bol, le salarié est tombé. Donc là, vous voyez que finalement, le salarié a gagné justement son procès contre l'entreprise. Ce qui s'est passé aussi, c'est que cette entreprise-là, c'est une petite entreprise, une entreprise familiale, et cette entreprise a dû fermer. Pourquoi? Parce qu'en fait, les coûts de rente et de réparation des préjudices étaient tels, parce qu'ils n'avaient pas justement réalisé leur obligation de sécurité de résultat, étaient tels que l'entreprise a dû fermer tout simplement. Donc, vous voyez que finalement, ça peut avoir un énorme impact pour une entreprise parce qu'ils n'ont pas pris connaissance, en tout cas, ils n'ont pas mis en place les obligations de sécurité de résultat. Pour vous donner une autre idée aussi, vous avez des éboueurs. Alors, je ne sais plus si on parle des éboueurs, je crois qu'ils ont une autre entité. Enfin, je sais que leur intitulé de poste, je pense, a changé. Mais vous avez des éboueurs de Paris. Et donc, leur activité, leur travail au quotidien, c'est de tirer notamment les conteneurs poubelles, de les mettre à côté du camion poubelle. Et d'appuyer sur un bouton pour que justement le conteneur poubelle puisse justement rentrer dans le camion poubelle. Et donc tous les déchets vont rentrer justement dans ce camion poubelle-là. À ce camion poubelle, vous avez justement un compacteur qui va venir justement compacter les différents déchets parce que si jamais tous les différents déchets devaient directement rentrer dedans, vous voyez que finalement un seul parcours ne suffirait pas justement au camion poubelle de justement de ramasser l'ensemble des déchets.
Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Le compacteur, justement, ben, s'est bloqué avec un défet. Et le salarié, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sa main à l'intérieur du compacteur pour pouvoir dégager le défet. Et malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une amputation du bras, de la main, parce que justement, le compacteur est venu justement couper sa main. Donc là, il y a accident du travail. Par contre, ce qu'il a fait le salarié, c'est d'aller justement invoquer la faute inexcusable de l'employeur auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale. Et là, finalement, il n'a pas gagné du tout, donc il a été débouté, notamment par le législateur. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'employeur a bien montré qu'il avait mis en place toutes les mesures nécessaires pour éviter cela, même si c'est arrivé. Il avait mis en place toutes les mesures nécessaires pour limiter en tout cas ce risque-là. Parce qu'il avait déjà évalué les risques, il les avait formalisés dans un document unique, et ensuite, il a aussi créé des consignes, en tout cas. Et dans ces consignes et des bonnes pratiques, dans ces consignes, qu'est-ce qu'il avait mis justement? Ben, surtout pas mettre les mains dedans lorsqu'il y a justement ce genre de situation. Et le salarié a mis justement sa main dedans, donc pour lui, c'était vraiment une faute professionnelle de la part du salarié. D'autant plus que le salarié, ce qui s'est passé lors de son embauche, il a signé ce document-là. Et donc, finalement, il peut pas dire qu'il n'était pas au courant justement de cette consigne. L'employeur avait aussi mis en place des informations et aussi avait formé le salarié à son métier d'éboueur. Donc finalement, le législateur s'est dit, OK, c'est un accident du travail parce que c'est dans le cadre du travail qu'il s'est passé ça. Par contre, je ne reconnais pas la faute inexcusable de l'employeur parce que le salarié est au courant de ça, était formé, avait son document unique, était informé là-dessus et a pu signer des consignes de sécurité. Donc, vous voyez que c'est très important de pouvoir mettre en place votre document unique, de pouvoir mettre en place une information, une formation, notamment par rapport au risque routier. Très, très important. Si demain, vous avez, par exemple, mis, même si vous avez votre document unique, vous avez bien identifié le risque routier, mais que vous n'avez pas informé ni formé les salariés, notamment au risque routier, vous pourriez justement être coupable, notamment s'il y a demain faute inexcusable de l'employeur de la part du salarié. Très important de prendre en compte ça. Alors, il y a différentes choses aussi. Il peut aussi avoir des fautes professionnelles. Par exemple, si le salarié ne respecte pas les engagements que l'employeur lui a donnés. Par exemple, vous avez des commerciaux, et les commerciaux, vous lui dites, écoute, ce que tu vas faire, c'est que tu vas d'abord aller chez le client numéro 1 et tu vas finir par le client numéro 10. Pour aller plus vite, ce qu'il a fait le commercial, c'est que bah, au lieu d'aller au rendez-vous numéro 1, il a commencé directement par le numéro 10 et il a fini par le numéro 5, par exemple. Là, finalement, il n'a pas respecté votre engagement, il n'a pas respecté votre feuille de route. Donc là, si demain, il y a un accident du travail, il pourrait être mis en cause pour faute professionnelle. Pareil pour le lien de subordination. Par exemple, au lieu d'aller dans son activité, il est passé chez lui ou bien il a fait d'autres choses à côté. Là, s'il y a un accident de travail, il pourrait justement être en faute professionnelle là-dessus. Donc là, il va engager sa responsabilité civile et pénale. Important, le salarié, s'il y a infraction au code de la route, bah, déjà, c'est lui qui va prendre, donc, que ce soit civil ou pénal, donc il engage sa responsabilité, et aussi s'il y a un accident corporel grave. Autrement dit, vous, en tant qu'employeur, ce que vous devez faire, c'est déjà vous assurer que le salarié est bien apte justement à la conduite. Alors ça va être notamment pour les métiers de transport de marchandises ou par exemple, donc il faut qu'il soit apte. Mais vous, votre rôle aujourd'hui par rapport à l'activité que j'ai pu voir tout à l'heure, les commerciaux, les sociétés de clubberie par exemple, ou pour le vélo, il faut vous assurer que le salarié ait bien son permis de conduire valide. Alors vous, en tant qu'employeur, vous ne pouvez pas savoir combien de points il a. Même s'il a un point ou 12 points, ça, vous ne pouvez pas savoir. Personne ne le sait à part le salarié et notamment et le gouvernement et la préfecture. Là, ce que vous devez faire, c'est qu'à chaque fois que vous allez embaucher une personne, c'est d'abord lui demander son permis de conduire. Donc, l'idéal, c'est qu'il puisse le ramener justement avec lui, que c'est vous qui allez le scanner, qui allez le mettre dans son dossier, par exemple, ou le photocopier. Comme ça, vous avez la preuve en tout cas qu'il a bien son permis de conduire. Parce que parfois, vous avez des salariés qui vous donnent directement des photocopies.
Alors, OK, des photocopies, mais ça se trouve, le permis de conduire, il l'a plus du tout depuis longtemps, mais il a quand même gardé sa photocopie. Des fois, c'est des photocopies de photocopies de photocopies, donc finalement, on n'y voit aussi pas grand-chose. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est que dès lors que vous avez un salarié qui va venir dans votre entreprise, que vous allez embaucher et vous savez qu'il va devoir utiliser un véhicule, c'est justement de lui demander systématiquement son permis de conduire, qu'il le ramène dans l'entreprise. Et c'est vous qui allez scanner justement son permis de conduire pour le mettre dans son dossier du salarié. Que je vous propose également aussi, c'est que chaque année, ce qu'il faut faire, c'est justement de faire cette activité-là. C'est de leur demander chaque année, justement, qu'ils puissent vous redonner encore une fois leur permis de conduire, que vous pouvez vous ensuite scanner et mettre dans leur dossier d'entreprise, dossier du salarié. Ce que je vous propose également, c'est de leur faire signer une attestation d'engagement sur l'honneur, comme quoi ils ont bien leur permis valide, comme quoi aussi donc ils respectent le code de la route, et aussi par exemple, qu'ils n'utilisent pas leur téléphone au volant. Ça, c'est des choses à faire signer tous les ans si vous pouvez et si vous en avez la possibilité. Ça, je vous recommande vivement à le faire. Demain, vous, ça vous dédouane. Si demain, le salarié, par exemple, il vient le 1er janvier, il vous dit, OK, j'ai tout fait, je signe, etc., mon attestation. Finalement, le 5 janvier, il n'a plus du tout son permis parce qu'il l'a perdu. Et que le 6 janvier, il se passe quelque chose, il y a un accident de travail qui ne vous l'a pas dit. Bah là, il peut être en faute professionnelle parce que finalement, il n'a plus son permis valide. Ça, c'est important que vous pouvez le faire. En tout cas, sur ce document-là, enfin, sur cette activité-là, ce que je vais vous faire, c'est que lorsque je vais vous transmettre notamment les documents, enfin le PowerPoint, je vais vous transmettre un autre document, donc une attestation sur l'honneur, d'engagement que je vais pouvoir vous transmettre et que vous allez pouvoir justement modifier, etc. et ensuite l'envoyer au salarié. Dites-moi si en commentaire si ça vous va, si au contraire vous n'êtes pas du tout intéressé par le document, mais moi je peux vous l'envoyer comme ça vous fait un document en plus sur lequel vous pouvez aussi travailler. Voilà. Vous me dites hein, si c'est intéressant ou pas du tout, hein, vous me dites OK, parfait. Parfait, bon, je vais vous l'envoyer comme ça, vous aurez tout ça. Vous, en tant que employeur, alors j'ai hop, discussion, parfait. Vous, en tant qu'employeur, votre rôle, c'est d'évaluer les risques, tous les risques, que ce soit les risques physiques et les risques psychosociaux, mais aussi les risques routiers, là où on est présent aujourd'hui, et de les formaliser dans le document unique. Très, très important de le faire. C'est d'abord une obligation, mais ça vous permet, vous aussi, de mettre en place des mesures de prévention qui vont être nécessaires et adaptées, justement, pour limiter le risque routier. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Si demain, vous souhaitez que je puisse regarder votre document unique et être focus sur le risque routier, il n'y a pas de problème. Vous me l'envoyez pour que je puisse vous faire un retour là-dessus. Si demain, vous souhaitez travailler sur le document unique, vous souhaitez le mettre à jour, vous souhaitez avoir plus d'informations sur le document unique, vous souhaitez avoir un outil aussi de document unique, n'hésitez pas à me le dire. Lorsque je vais vous transmettre les documents, le PowerPoint, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à m'appeler directement. Parce que vous allez avoir toutes mes coordonnées, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci là-dessus, je me tiens disponible pour vous accompagner là-dessus. Alors, tout ce que je vous dis, notamment en termes d'accompagnement, aujourd'hui, c'est compris dans la cotisation. Donc, n'hésitez surtout pas, en tout cas, à me solliciter si besoin, pour que je puisse vous répondre. Qu'on prenne un ou deux ou trois rendez-vous, par exemple, ça sera compris dans la cotisation. Donc, il n'y aura pas de surplus pour vous. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus, n'hésitez pas à me le dire pour qu'on puisse justement vous accompagner. Alors, si ce n'est pas moi qui vous accompagne, ça sera un autre intervenant de vos secteurs. Mais il n'y a pas de problème pour qu'on puisse vous accompagner là-dessus. Voilà. Donc, pour le risque routier, vous avez bien vu que finalement, ça a des énormes enjeux, que ce soit des enjeux humains, des enjeux économiques, financiers, et donc des enjeux juridiques. Ça a aussi des enjeux organisationnels, parce qu'il faut se dire, est-ce que la personne, je vais devoir la remplacer ou pas, par exemple. Les différentes actions de prévention que vous pouvez mettre en place, c'est sur l'organisation des déplacements. Les questions à se poser, c'est déjà, est-ce que il faut à tout prix que mon salarié puisse se déplacer? Finalement, le salarié n'a pas besoin de se déplacer et vous pouvez faire que de la visio, ben, il n'y a pas besoin et il n'y aura plus de risque routier derrière. Par contre, mon salarié a besoin de se déplacer, c'est se poser la question, comment il va se déplacer? Est-ce qu'il a besoin d'un véhicule? Est-ce qu'il peut directement aller, je sais pas, prendre un taxi, prendre un Uber par exemple? Ou prendre tout simplement le train, l'avion, ou bien, par exemple, les transports en commun. C'est des questions justement à se poser là-dessus.
Les équipements des véhicules, forcément, c'est que si vous mettez à disposition des véhicules ou bien ce sont des véhicules personnels des salariés, il faut pouvoir regarder justement les équipements des véhicules là-dessus. Les équipements des deux roues, forcément, si demain vous mettez à disposition ce genre d'équipement ou vous savez qu'il y a un commercial qui se déplace en scooter ou en moto, par exemple, c'est de se poser la question justement sur les équipements des deux roues, notamment des équipements de protection par rapport aux deux roues. Pareil pour les cyclistes. Ensuite, comme axe de prévention sur lequel vous devez travailler, c'est les facteurs comportementaux. C'est notamment l'alcool au volant, l'usage ou la consommation de stupéfiants, par exemple. C'est important que vous puissiez faire, en tout cas, des actions par rapport à ça. Et ensuite, les facteurs environnementaux qu'on va voir tout à l'heure. Donc là, les différents axes de prévention sur lesquels vous devez absolument travailler pour limiter le risque routier. Et donc, je vais vous les présenter un par un. Donc la question à se poser déjà dans l'organisation des déplacements, c'est de se poser la question, déjà, est-ce que le salarié a la nécessité de se déplacer? Donc là, s'il n'y a pas de nécessité de se déplacer, donc là, vous pouvez supprimer directement le risque routier dans votre activité. Donc, il n'y aura pas de risque routier parce que le salarié n'utilise pas un véhicule ou enfin, des moyens de locomotion, en tout cas, pour se déplacer dans le cadre du travail. L'autre question à se poser, c'est est-ce que donc là, la personne a besoin de se déplacer. Donc, est-ce que la personne ne peut pas utiliser les transports collectifs? Et donc, si la personne, vous pouvez lui dire, bah, écoute, au lieu de te rendre chez le client, au lieu de te rendre, je ne sais pas, par exemple, dans l'entreprise pour mettre les câbles chez l'adhérent, enfin, chez l'entreprise, bah, tu vas plutôt prendre les transports collectifs et tu ne vas surtout pas prendre ton véhicule. Si vous avez la possibilité, bah, il faut le faire pour éviter justement l'apparition du risque routier dans votre document unique. Par contre, son activité fait qu'il est obligé de prendre un véhicule, donc là, il faudra justement choisir le véhicule avec lui. Par exemple, pour le commercial, on va éviter de lui donner un camion, une camionnette, parce qu'il n'a peut-être pas forcément besoin de ça, d'une grande voiture, pour aller justement chez le client. Par contre, finalement, l'entreprise, notamment de câblerie, a besoin, lui, d'avoir ses outils, a besoin d'avoir, je ne sais pas, sa trousse à outils, il a besoin d'avoir plusieurs câbles qui peuvent parfois faire, je sais pas, 50 mètres, par exemple, si je dis vraiment une bêtise. Mais il a besoin de ça, il a besoin d'endroits où pouvoir le stocker, donc lui, il aura besoin justement d'un camion. Donc c'est important de prendre en compte que en fonction de l'activité de la personne, il faut pouvoir lui mettre en place un véhicule qui sera adapté à son activité. On va éviter, par exemple, de donner une Twingo à un, je sais pas, à je sais pas, un électricien par exemple, parce que ça se trouve la Twingo c'est pas suffisant pour qu'il puisse stocker ses outils. On va éviter de donner par exemple une camionnette à un commercial alors qu'il n'a pas forcément besoin justement de ce type d'outil. Ok, donc vous les commerciaux se déplacent avec leur véhicule perso. Donc justement pour les véhicules personnels, ce que vous devez notamment demander, c'est comme je vous l'ai dit, donc le permis de conduire soit valide. Donc là, je réponds à une question justement qui m'est donnée sur une petite discussion. Donc, bien entendu, ce que vous devez demander, c'est que leur permis soit valide. Voilà. Ce que vous devez leur demander aussi, c'est leur assurance voiture. Et aussi, ce que vous devez demander aussi, c'est la carte grise du véhicule. Très important. Là-dessus, ce que vous devez donner comme consigne aussi, c'est que, OK, ils se déplacent avec leur véhicule perso. Par contre, il faut que vous puissiez avoir des informations sur l'entretien du véhicule. Quand est-ce qu'il le fait? Par qui il le fait? Comment il le fait, par exemple? Ce que vous pouvez donner aussi, c'est des affiches que je vais vous montrer juste après, qui vont faire que finalement, ils vont devoir, à chaque fois qu'ils vont devoir partir en intervention, partir chez le client, ils vont devoir justement vérifier certaines parties du véhicule. Ça, c'est des choses que je vais vous transmettre tout à l'heure. Par exemple, vous avez loué des véhicules pour vos commerciaux, donc ça, c'est la question d'après. Ce qui est bien, c'est que finalement, la location de voiture, notamment du leasing, parfois c'est ça. Vous me dites, hein, si Madame Guignard, c'est du leasing, ça peut être ça. Du leasing, par exemple. Ce qui est bien, c'est que finalement, l'entretien du véhicule, les contrôles du véhicule, c'est la société directement qui le fait. C'est le fournisseur du véhicule qui le fait. Donc ça, par exemple, c'est bien. Ça veut dire que l'entretien du véhicule, c'est pas vous qui le faites. C'est directement pris en charge par justement bah, Europcar. Voilà, exactement. Et donc, Europcar, ce qu'il va faire, c'est qu'il va directement prendre en charge l'entretien
Et donc, ça, c'est une mesure de prévention que vous mettez en place. Le fait est que l'entretien du véhicule, les contrôles du véhicule, la réparation du véhicule, c'est eux qui prennent en charge et pas du tout vos salariés. Par contre, ce qu'il faut se poser comme question, c'est que même si vous louez une voiture en leasing, etc., c'est de se poser la question, qui est-ce qui va donner le véhicule chez Europcar s'il y a un dysfonctionnement? Qui est-ce qui gère ça? Qui est-ce qui est en charge justement de s'assurer que les différents contrôles ont été faits? C'est important de se poser les questions. Et justement, c'est la partie juste après. Donc, j'espère en tout cas avoir répondu à vos messages, Madame Dignard et Madame Béni. J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à me dire si c'est pas OK ou pas. Parfait. Dans l'organisation des placements, il faut que vous puissiez vous poser différentes questions. Donc, les différentes questions que vous devez vous poser, c'est déjà connaître l'objet de la mission. La personne qui va se déplacer, c'est de se demander pourquoi déjà il se déplace. Si vous savez déjà pourquoi il se déplace, vous pouvez derrière vous dire, bah, il n'y a peut-être pas forcément besoin de se déplacer, ou bien tu peux te déplacer directement en transport en commun, par exemple. Ça peut être des choses que vous pouvez voir. Ensuite, de faire une estimation du trajet, très important. Admettons que la personne, on a pour 1h30 de trajet parce que finalement il y a des boucons, bah, peut-être lui dire, ce que tu peux faire, c'est plutôt aller dans les heures creuses et non pas aller dans les heures de pointe. Comme ça te fait moins de temps justement à rouler pour aller chez le client. Ou bien, tout simplement, c'est de lui dire, écoute, je sais que tu en as pour 1h30 ou 2 heures de chez toi. Bah, ce que tu fais, c'est que si tu finis tard, le soir, bah, au lieu de rentrer chez toi, tu prends une chambre d'hôtel. Ça peut être des choses à mettre en place, par exemple. Parce que finalement, ça va faire que ça va éviter que le salarié reprenne le volant alors qu'il est très tard et ça se trouve, le salarié est fatigué aussi de son travail. Donc, ça va justement diminuer le risque routier. Choisir le bon véhicule en fonction de l'activité, donc ça, c'est ce que je vous dis, et préparer et organiser le chargement. C'est important d'arrimer justement vos différents véhicules et vos gros, enfin vos camionnettes. Il ne faut surtout pas mettre tous les outils, n'importe comment, etc. Et justement, c'est une vidéo que je vais vous montrer juste après. Pour organiser vos déplacements, en tout cas, vous avez différents outils qui peuvent être intéressants. Donc, je pense qu'il y a pas mal d'outils que vous connaissez déjà, notamment Waze, par exemple, Citadin, Mission Futée, voilà, Mappy, par exemple. Météo France aussi, ça vous permet de vous dire est-ce qu'on va envoyer le salarié à ce moment-là alors que finalement il va pleuvoir ou il va neiger. On va peut-être attendre un petit peu, par exemple. Ou ça vous permet de vous dire aussi, bah, OK, il va peut-être prendre la route alors qu'il neige. Bah, faut voir si justement il a les pneus neige, par exemple. Application Urbans, c'est une application qui est payante, mais qui est beaucoup utilisée pour notamment les livreurs. Ces personnes-là, ce qu'ils vont faire, c'est que, enfin, cette application, ce qu'elle va faire, c'est que vous allez noter dans l'application les différents points clients sur lesquels vous devez livrer justement des colis, par exemple. Et lui, il va vous calculer en fonction notamment de la circulation, du temps passé notamment sur la route, il va vous calculer différents itinéraires plus efficaces et plus faciles justement, et donc pour limiter justement le risque routier. Il va surtout pas vous dire, par exemple, admettons que la première livraison, c'est sur Paris. La deuxième, c'est, je sais pas, je dis n'importe quoi, c'est à Saint-Ouen, voilà. Et la troisième, c'est sur Paris. Bah, finalement, il va pas vous dire d'aller sur Paris, Saint-Ouen, près de Saint-Ouen, revenir sur Paris, pas du tout. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre justement en compte l'ensemble de vos points de livraison. Le véhicule que vous devez mettre à disposition ou que vous mettez à disposition justement de vos salariés, c'est important de disposer du matériel de sécurité obligatoire. Alors, la sécurité obligatoire, justement, ça va être notamment la ceinture de sécurité, ça va être les airbags, ça va être le triangle, par exemple, ça va être le gilet jaune, ce genre d'informations qui sont obligatoires à mettre en place dans justement au sein, en tout cas, du véhicule. Alors, je sais que pour plusieurs pays, vous avez l'obligation d'avoir un extincteur dans les véhicules. Alors, en France, c'est pas obligatoire, mais je sais que dans d'autres pays, c'est obligatoire. Notamment, je dis ça pour avoir été à l'île Maurice très récemment. Je sais qu'il faut à tout prix qu'ils ont justement un extincteur, un petit extincteur, hein, bien entendu, mais dans les véhicules, par exemple.
Être équipé de sorte à garantir la sécurité, donc ça forcément, et être équipé aux besoins spécifiques de la profession, donc à l'image des outils, très important. Donc le véhicule doit répondre à l'activité, donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on va éviter de donner une Twingo par exemple à un livreur qui va devoir mettre ça au-dessus, ou bien au commercial, ben, justement une camionnette, ça n'a pas d'intérêt. Pour vous montrer une vidéo justement d'un crash test, c'est très important de pouvoir arrimer vos véhicules. Arrimer, ça veut dire quoi? Ça veut dire justement stocker bien vos différents outils que vous avez dans votre voiture, de pouvoir bien l'attacher, etc. C'est ça, arrimer justement un véhicule. Par exemple, un pot de peinture qui serait posé directement sur le véhicule, alors que le salarié a eu un choc frontal, donc un accident à 50 km/h, finalement, le pot de peinture qui fait de base 2,5 kg, ça se transforme comme une arme, finalement, de 220 kg derrière. Donc là, autant vous dire que si le salarié est derrière et se prend le pot de peinture, avoir 220 kg directement en pleine tête, ça peut être assez compliqué. Hop. Ah, j'ai l'impression que mon écran a bugué un petit peu. Je sais pas si vous voyez si mon écran a bugué un petit peu. J'ai l'impression que je ne bouge plus. Ah, ça marche mal. Je suis désolé pour ce bug-là, je suis vraiment désolé, je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Alors, je vais vous montrer justement la petite vidéo. Vous me dites si vous voyez bien la vidéo, s'il vous plaît. Hop. Je vais se mettre en grand. Bon, il n'y a pas forcément de son. C'est pour vous montrer justement. Donc là, ce qu'il fait, c'est que justement, il va mettre différents outils, justement, avec notamment une étagère qui n'est pas du tout fixée à la camionnette. Et donc, il vous montre que différents outils qui sont du tout pas fixés, justement, comment ça peut être une arme derrière, malheureusement, et donc source justement en tout cas, ça peut favoriser, enfin, ça peut majorer les risques d'accident. Ah, je sens que mon écran a bugué. Donc là, vous voyez que finalement, des équipements juste posés, vous voyez l'intensité justement de tous les outils qui partent directement vers le conducteur. Donc comme je l'ai rappelé tout à l'heure, admettons qu'une personne a un pot de peinture de 2,5 kg, ça peut se transformer justement comme une arme finalement de 220 kg derrière. Donc, c'était juste pour vous montrer justement cette partie-là. J'espère que vous avez bien vu cette partie. Et là, je me rends compte que mon écran a bugué. Je suis vraiment désolé pour cette. Pourquoi, du comment il fait ça. Tac, tac, tac. Ah, bah, voilà, c'est bon. Donc, j'espère que vous avez bien vu la vidéo, en tout cas. C'était juste vraiment pour vous montrer. Pour vous illustrer le fait de bien arrimer vos véhicules. Désolé, on va peut-être prendre un peu plus de temps. Notamment, j'avais dit 11 h, mais finalement, je vais commencer aussi un peu plus tard. Je dirais peut-être 11 h 10 si ça vous va pour finir le webinaire. Ensuite, ce qu'il faut vous dire, c'est que le véhicule, il faut justement, vous le mettez en place, il faut pouvoir regarder l'entretien. Qui est-ce qui va se charger justement de l'entretien? Donc, les différentes questions qui sont ici, il faut se les poser. Et ces différentes réponses que vous allez avoir, ça va être des actions de prévention que vous mettez en place. Comment se passe le contrôle du véhicule, l'entretien des véhicules? Ben, par exemple, vous avez nommé une personne qui va gérer la flotte justement de véhicules. C'est une action de prévention parce que c'est lui qui va gérer les contrôles, c'est lui qui va gérer justement de ramener les voitures à la révision, etc., etc. Qui signale les dysfonctionnements? Est-ce que c'est le salarié? Est-ce que c'est une autre personne, par exemple? C'est le genre de questions qu'il faut se poser. Comment il signale les dysfonctionnements? Est-ce qu'il vous dit juste par mail? Ou bien vous avez créé, par exemple, un formulaire qui dit, voilà, telle ou telle chose ne fonctionne pas dans le véhicule. Par exemple, c'est très important de pouvoir regarder ce genre d'informations.
planification des révisions, donc c'est ce que je vous ai dit juste au-dessus, et est-ce qu'il y a un carnet d'entretien qui peuvent être utilisés, notamment par le salarié? Donc, ce sont des questions qu'il faut à tout prix vous poser. Moi, ce que je vous propose, en tout cas, ça se fait dans les grandes entreprises. Ce qu'ils font, c'est que à chaque fois que le salarié va prendre son véhicule ou va prendre notamment un véhicule, le véhicule loué, par exemple, ou les véhicules de fonction des services, ce qu'il fait, c'est qu'à chaque fois, il prend 5 minutes, 5 bonnes minutes, entre 5 et 10 minutes, pour vérifier différentes choses, justement, dans son véhicule. Et donc, du coup, moi, ce que je vous propose, c'est d'imprimer ce document-là, parce que le document est très bien fait, parce que ça vous permet de regarder toutes les 9 étapes qui sont indispensables pour vous assurer que, justement, qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement sur certaines choses. Par exemple, ça va être sur la plaque d'immatriculation, par exemple, est-ce qu'elle est bien fixée? Ça va être sur les pneumatiques, justement, est-ce que les pneus sont bien gonflés, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas de trous? Est-ce qu'il n'y a pas de vis, justement, ou de clous, justement, sur les différents pneus, par exemple. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est vraiment de l'imprimer. Donc, je vais vous transmettre aussi en format A4 et que vous puissiez le transmettre aux salariés. Il y a des entreprises qui demandent à chaque fois ce document-là. Et donc, le salarié doit à chaque fois, lorsqu'il va prendre le véhicule, passer 5-10 minutes dans un premier temps. Et donc, il doit, justement, cocher toutes ces choses-là. Et donc, doit être rendu, notamment, à la personne qui est responsable de la flotte de voitures. Et si cette personne voit qu'il y a une chose qui n'est pas du tout cochée, donc elle va déjà dans un premier temps discuter avec le salarié, pourquoi est-ce que c'est pas animé, et s'il y a besoin, donc aller justement prendre des rendez-vous avec le garagiste. Ça, c'est des documents qui sont bien utilisés par des entreprises. Ensuite, vous avez aussi pour les deux roues. Alors, ce qui est différent ici, c'est que finalement, ce que vous devez mettre en place aussi, et ce que vous devez vous assurer en tout cas que le salarié a, c'est aussi les équipements de protection. Alors ici, ce qui est différent, c'est que finalement, la voiture, s'il y a un choc, ben, il y a aussi la paroi, la carcasse, en fait, si vous voulez, de la voiture qui va être entre l'autre voiture, par exemple, et le salarié. Par contre, lorsqu'il y a un accident aux deux roues, ben, ce qui va vous protéger un petit peu, ce qui va limiter en tout cas les impacts, ça va être les équipements de protection. Parce que finalement, il n'y a pas forcément, justement, de carcasse, etc., qui peut vous protéger. Ce qui est obligatoire à mettre en place, déjà, c'est le casque de sécurité. Et finalement, c'est tout qui est obligatoire pour une moto. Et donc, si demain, vous mettez à disposition notamment des scooters ou des motos, par exemple, bah, c'est important que vous puissiez vous dire quels sont les équipements de protection dont ils disposent et que vous allez mettre en place. Par exemple, pour le gilet jaune ici, qui est ça aussi obligatoire. Le gilet jaune, bah, faut surtout pas le mettre à l'intérieur du blouson, ça n'a pas d'intérêt. Ou mettre son sac à dos, par exemple, au-dessus du gilet jaune, ça n'a pas d'intérêt parce que en fait, finalement, le gilet jaune, il sera pas du tout visible. Donc, pas d'intérêt là-dessus. Pareil pour la moto, finalement, vous avez différentes étapes qui sont indispensables pour justement vérifier, contrôler en tout cas votre véhicule avant que vous puissiez utiliser votre véhicule dans le cadre du travail. Pas de souci. J'ai bien reçu votre message, Madame Laurette. Pas de souci. Ce que, de toute façon, de toute manière, je vais vous transmettre le PowerPoint et la présentation. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà les différentes étapes qui peuvent être utilisées. Donc ça, je vais vous transmettre notamment De rien, pas de souci. N'hésitez pas si besoin, en tout cas. Je suis désolé, on a commencé un petit peu plus tard, notamment avec cette histoire d'arc-en-ciel là sur mon écran, mais voilà, pas de souci. N'hésitez pas si besoin, en tout cas. Donc voilà. Notamment pour les cyclistes, ce qui est important, c'est que il faut qu'ils puissent avoir déjà un casque de sécurité, notamment. Donc, ce qu'il faut, notamment, c'est des lunettes anti-projection à renouveler tous les 5 ans, donc des casques et lunettes à renouveler. Parfois, j'ai vu aussi des femmes avec des talons aiguilles. Ça, c'est surtout à prescrire, hein, genre de choses. Après, c'est des équipements que vous pouvez mettre en place, justement, qui sont importants de mettre en place, en tout cas pour les vélos, par exemple. En parlant de vélo, justement, ce sont différentes étapes que vous pouvez mettre en place pour le salarié. C'est de se dire, voilà, lorsqu'il va prendre son vélo pour aller se déplacer dans le cadre du travail, ben, il faut qu'il puisse regarder l'ensemble des choses
justement pour s'assurer que son vélo est bien conforme et ne dispose pas de dysfonctionnement. Bon, ça, c'est justement un titre informatif, hein, mais la chose qu'il faut regarder aussi, c'est que les cyclistes sont aussi soumis aux contraventions et donc engagent bien leur responsabilité civile et pénale en cas d'accident derrière. Alors, chose sur laquelle je ne savais pas très récemment, mais si, admettons, une personne en vélo, je ne sais pas, grille le feu rouge, par exemple, alors qu'il ne devait pas, il peut être aussi, il peut avoir des points en moins sur son permis de conduire d'un véhicule permis B, par exemple. Il peut avoir des points en moins là-dessus. Et ça, généralement, les salariés ne savent pas. Ils disent, bah, finalement, moi, je suis qu'en vélo, je n'aurai pas je vais pas perdre de points sur mon permis de conduire. Bah, c'est faux, ce qui, justement, ils peuvent en perdre. Bon, juste aussi pour vous montrer d'autres choses, parfois, on se dit, lorsqu'on s'arrête, justement, devant le feu, on se dit, ah, mais finalement, pourquoi le cycliste il continue à passer lui alors qu'il y a un feu rouge? Bah, parce que parfois, justement, vous avez ce genre de pictogramme, de panneau qui dit que le conducteur du vélo peut aller soit à droite, soit devant, mais il faut bien qu'il puisse déjà bien regarder la priorité des véhicules. Vous avez d'autres équipements aussi de déplacement, alors un peu moins notamment dans le cadre du travail, hein. Ça va être les hoverboards, les monobrosses. Alors là, maintenant, il y en a de plus en plus, les trottinettes électriques. C'est vrai que c'est un grand sujet de discussion, notamment d'un point de vue justement au niveau du gouvernement. Donc, je pense que vous avez vu pas mal d'actions qui se sont mises en place par rapport à ça. Donc aujourd'hui, en tout cas, les utilisateurs de trottinettes électriques donc peuvent utiliser les trottoirs, mais il faut surtout pas qu'ils puissent dépasser 6 km/h. Et ensuite, sur les pistes cyclables, c'est 25 km/h. Pour vous donner un ordre d'idée, notamment sur les trottinettes électriques aujourd'hui, donc la classe d'âge la plus représentée donc dans l'utilisation des trottinettes électriques, donc c'est de 18 à 34 ans, donc ce sont les plus jeunes. Et plus de la moitié ont moins de 35 ans. Donc, la part d'étudiants représente aujourd'hui 19% et les actifs, donc des cadres surtout ici, vous avez 53% justement des cadres, en tout cas dans le nombre de personnes qui utilisent ça, sont justement des cadres, voilà, qui généralement ce sont des personnes qui peut-être habitent proche de Paris ou bien qui habitent vraiment proche de leur lieu de travail. Donc là, vous avez bien vu que finalement, dans le cadre du risque routier, il faut déjà travailler sur plusieurs axes de travail. Vous devez travailler sur, déjà, vous poser des questions sur le déplacement. Est-ce que c'est obligatoire ou pas? S'ils doivent le faire, c'est de se poser la question, est-ce qu'ils ne peuvent pas le faire, notamment directement via les transports collectifs, par exemple. Et si il a besoin de vraiment se déplacer en véhicule, c'est de se poser la question du véhicule. Qu'est-ce que vous mettez en place par rapport au véhicule et du salarié, par exemple. Ensuite, vous devez travailler notamment sur les facteurs comportementaux, donc ça va être l'alcool au volant, la vitesse, le téléphone, la fatigue et les stupéfiants. Votre rôle là-dessus, ça va être principalement de l'information et de la formation dessus. C'est lui dire, voilà les informations là-dessus, parce que tu engages ta responsabilité civile ou pénale, par exemple. Veille notamment à bien respecter le code de la route. Votre obligation aussi, c'est de lui dire aussi, surtout, il faut surtout pas utiliser le téléphone au volant. Voilà. Bon, ça, je vais vous montrer juste après. L'alcool au volant aujourd'hui, bah, ça altère en fait l'appréciation des distances et des largeurs. Donc ça, c'est des choses que vous connaissez déjà. Ça rétrécit aussi le champ visuel du salarié. Bon, ça, c'est vraiment des informations que vous connaissez, je pense, déjà. Donc ça, c'est juste une information pour vous montrer. Hop. Alors, le kit main libre, justement, je vais en venir juste après, Madame Guignard. Si je reviens juste après, justement. Hop. Donc là, c'était juste pour vous montrer justement bah, l'équivalent justement de demi-bière justement par rapport à un verre de whisky. Hop. Ça, c'est des choses que je vous montre en fait pour voir tout à l'heure. La vitesse au volant, maintenant, c'est très important que vous puissiez faire prendre conscience à vos salariés. C'est que moins ils vont avoir une vitesse, donc c'est-à-dire que là, 40 km/h, et plus leur vision sera justement de 100%. Et donc, plus il va augmenter sa vitesse, et moins justement il aura des champs de vision derrière. Voilà, c'est important de lui montrer en tout cas ce genre de document que vous pouvez lui communiquer. Et là aussi, c'est aussi un titre d'information, c'est que plus la vitesse sera excessive,
sera grande, en tout cas importante, et justement, plus la distance d'arrêt sera importante également, sera élevée. Ça, c'est des choses que vous connaissez déjà, je pense. En tout cas, c'est important de leur rappeler justement ce genre d'informations. Par exemple, la distance d'arrêt à 90 km/h, que ce soit pour un véhicule ou bien pour une moto, vous voyez que c'est différent. Parce que ici, vous n'avez que deux pneus, finalement, et donc la surface d'adhérence est moins élevée que justement le fait est que la voiture dispose de quatre pneus. Voilà, donc le téléphone au volant, donc ça c'est aussi à titre d'information. Vous voyez que finalement, ce sont des infos que vous pouvez transmettre à vos salariés. Donc ici, vous avez des interdictions formelles et aussi vous avez des interdictions selon interprétation des forces de l'ordre, par exemple. Donc manipuler son téléphone, c'est interdit. Se maquiller même à l'arrêt dans les bouchons, c'est interdit selon l'interprétation des forces de l'ordre. Justement, par rapport à votre question, donc Madame Guignard, c'est justement par rapport au kit main libre. Alors moi, ce que je vous propose là-dessus, c'est déjà leur dire, dans un premier temps, il ne faut pas utiliser votre téléphone au volant. Il ne faut pas appeler, voire décrocher votre téléphone, ni envoyer des messages pendant que vous êtes en train de conduire. Ça, c'est votre première information. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, c'est éventuellement mettre en place un kit Bluetooth. Alors, si demain vous venez à vous poser la question, est-ce qu'il y a besoin d'un kit Bluetooth? Il faut que ce kit Bluetooth-là soit intégré au véhicule. Je m'explique. Il faut que lorsque vous mettez à disposition un véhicule pour le salarié, il faut qu'il y ait un kit Bluetooth directement intégré dans le véhicule. Pourquoi? Parce que cette intégration directement dans le véhicule permettra au salarié de pouvoir décrocher, voire raccrocher directement via son volant. Vous voyez? Alors que finalement, si vous mettez un kit Bluetooth qui est extérieur, justement au véhicule, ça va faire qu'il va devoir décrocher et donc enlever sa main justement soit du volant, soit de la boîte de vitesse par exemple, et devoir justement mettre sa main sur le kit Bluetooth extérieur. Donc en tout cas, si demain vous mettez à disposition un kit Bluetooth pour le salarié, veillez à ce que vraiment ce kit Bluetooth-là soit intégré au véhicule. Moi, ce que je vous propose, c'est que finalement ce kit Bluetooth-là, c'est pas forcément et ce n'est pas une action de prévention. L'idée, c'est de lui dire, écoute, lorsque tu dois notamment utiliser ton véhicule, justement, c'est pour vous montrer ça, lorsque tu dois réaliser des appels, bah, ce qui est intéressant, c'est plutôt ne pas répondre en conduisant et prends le temps justement de prendre des arrêts pour pouvoir consulter tes messages ou pour discuter. Après, je peux comprendre que c'est vrai que dans la pratique, lorsqu'on est commerciaux, par exemple, lorsqu'on est commercial, finalement, on a besoin parfois de discuter, d'échanger avec le client, d'échanger avec, je sais pas, avec la responsable RH, d'échanger sur des dossiers, d'échanger avec nos collègues. Et c'est vrai que des fois, vous le faites en train de conduire. L'idée, c'est que si jamais vous devez absolument faire ce genre de choses, mettez justement en place un kit Bluetooth. De rien, pas de souci, madame Pacoto. Pacoto. Donc, c'est important de prendre en compte justement cette partie-là. On a bientôt fini, hein. Je vous rassure. Donc, le temps de réaction volant, donc, si je peux vous montrer aussi, donc, les plus de 60 ans, finalement, lorsqu'ils n'ont pas de téléphone, c'est 2,2 secondes. Alors qu'ici, ils ont un téléphone à la main, c'est 3,48 secondes. Vous voyez, finalement, c'est quand même 1 seconde de plus et ça peut être préjudiciable derrière. Un peu moins pour les moins de 60 ans, donc, c'est 1,63 secondes. Et finalement, c'est 2,9 secondes si jamais ils ont le téléphone au volant. Téléphoner au volant. Hop. Téléphoner au volant, donc multiplie par 3 le risque d'accident. Ce sont des informations que vous devez absolument donner à vos salariés, en tout cas. Écrire un message conduisant multiplie par 23 le risque d'accident, par exemple. Hop. Donc ça, on l'a vu. Et il existe aussi des applications que vous pouvez mettre aujourd'hui. Si jamais demain vous mettez, je ne sais pas, l'application Waze ou d'autres applications, notamment sur le téléphone portable que vous mettez à disposition auprès de vos commerciaux. Bah, ils peuvent aussi appliquer le mode conduite ou le mode voiture. Ce sont des choses qu'ils peuvent mettre en place pour éviter justement d'être interpellés par un appel lorsqu'ils conduisent. C'est des choses que vous pouvez mettre en place. Donc voilà, donc la fatigue au volant, donc c'est justement, bah, c'est d'autres choses sur lesquelles vous devez absolument
sensibiliser les salariés, par exemple, c'est leur dire lorsque tu as des symptômes, notamment de paupières lourdes, de picotement des yeux, des sensations de froid, etc., c'est peut-être parce que justement, tu commences à te fatiguer. Donc, ce qu'il faut faire, c'est surtout s'arrêter pendant 20 minutes, de se reposer et ensuite de reprendre la route. Les horaires les plus à risque, justement, bah, c'est entre 2h et 5h du matin, parce qu'on est censé dormir à cette heure-là, et de 13h à 15h. Pourquoi de 13h à 15h? Parce que finalement, on vient de prendre le déjeuner. Et donc, votre corps a besoin de tellement d'énergie pour pouvoir digérer que finalement, entre 13h et 15h, c'est des horaires sur lesquels où votre corps il va vouloir dormir aussi. Pour éviter la fatigue, voilà quelques petits conseils. Donc, bien régler le siège, de faire des pauses régulièrement toutes les 2 heures, très important. D'éviter de faire un repas lourd. On va éviter de manger un couscous, par exemple, ou un grec, je dis n'importe quoi. Et finalement, on sait qu'on a plusieurs heures de route derrière. On va éviter parce que finalement, ça va travailler sur votre organisme. Autre chose aussi, quelques stupéfiants. Donc là, c'est bien entendu de leur dire que c'est une consommation interdite. Et que, en fonction du stupéfiant qu'ils peuvent prendre, il y a différentes justement conséquences pour leur santé et aussi par rapport à leur conduite. Hop, ça c'est quelques informations que vous pouvez avoir. Voilà, bon, celui-là c'est quelques informations hein, pour aller un petit peu plus vite. Alors, très important, demain, alors aujourd'hui vous avez le risque routier à bien évaluer, à bien formaliser dans le document NIC. Donc, sur cette partie-là, n'hésitez pas à m'envoyer vos documents NIC pour que je puisse voir quelles sont les actions de prévention que vous avez mises en place. Éventuellement, vous apporter d'autres solutions derrière, d'autres conseils, d'autres actions de prévention sur lesquelles vous pouvez travailler. En tout cas, ce qui est important, c'est que dans le risque routier, vous avez plusieurs axes de prévention sur lesquels vous pouvez travailler, que ce soit dans l'organisation des déplacements, sur les véhicules, déjà choisir un bon véhicule et choisir les équipements du véhicule, sur les facteurs comportementaux et aussi sur les facteurs environnementaux. Donc, c'est très important de vous dire que sur la route de risque routier, vous avez tellement d'actions de prévention sur lesquelles vous pouvez travailler qu'il est important justement de réfléchir à l'ensemble des questions que je vous ai montrées tout à l'heure. N'hésitez pas, si vous souhaitez qu'on discute notamment de votre évaluation, si vous souhaitez qu'on se pose aussi chez vous, dans votre entreprise, par exemple, ou en visio, qu'on puisse discuter de vos différentes actions de prévention que vous mettez en place, il n'y a pas de problème, n'hésitez pas à m'appeler, à me solliciter, à m'envoyer un mail pour qu'on puisse convenir d'un rendez-vous. Il n'y a pas de problème là-dessus. Si demain, par exemple, vous souhaitez mettre en place des ateliers de sensibilisation, ça, on peut le faire aussi. Il n'y a pas de problème là-dessus, c'est compris dans la cotisation aujourd'hui. Alors, c'est très important. D'ici, je dirais peut-être d'ici 3 mois à peu près, il y aura des actions payantes. Parce que c'est la loi qui le veut comme ça, en fait, qui fait que même si aujourd'hui on a un but non lucratif, il y aura peut-être des actions qui seront payantes derrière pour l'adhérent, pour vous, justement, entreprise. N'hésitez pas à ce qu'aujourd'hui on fasse, on planifie des ateliers de sensibilisation, par exemple, sur le risque routier, qu'on peut faire ensemble, pour éviter justement que vous puissiez payer derrière une action. Alors qu'aujourd'hui, en tout cas, elle est comprise dans votre cotisation. Donc, n'hésitez pas à vous en servir, en tout cas. Donc là-dessus, aussi, on peut vous accompagner. Hop. Donc, voilà. N'hésitez surtout pas, si jamais vous avez besoin. Alors, j'ai vu une personne lever la main, je crois. Madame Kimia, je crois. Oui, alors, Madame Guignard, c'est les informations sur quoi, dites-moi. Si sur la présentation ou bien les informations sur les actions de prévention sur lesquelles on peut vous. D'accord, OK. OK. Bah, ce qu'on peut faire, Madame Guignard, c'est que lorsque vous recevez mon mail, vous me répondez et après on échange par téléphone là-dessus, si vous voulez. OK. Voilà, vous me contactez, n'hésitez pas à le faire, hein, n'oubliez pas. Voilà, j'espère que vous n'avez pas d'autres questions, n'hésitez pas si besoin. Suis désolé, on a un peu, enfin, 16 minutes de plus, mais voilà. Et désolé encore pour l'écran qui scintillait de toutes les couleurs. N'hésitez surtout pas à me contacter si besoin. Clairement, c'est le mot d'ordre. Je pense que je l'ai répété 50 fois, mais il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous n'avez pas compris quelque chose ou autre,
ou bien vous souhaitez approfondir le risque. OK, il n'y a pas de problème, je reste disponible pour vous accompagner. Voilà. Bah, merci beaucoup en tout cas pour vos messages, d'avoir participé aussi et de m'avoir posé des questions. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne journée. Oui, alors mon adresse email, justement, vous allez l'avoir directement sur mon mail que je vais vous envoyer. Et bien sûr, je peux vous envoyer mon mail. Hop. Alors. Voilà. Voilà mon mail. Je l'ai partagé, même si vous allez avoir directement mon mail lorsque je vais vous communiquer les documents. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis notamment dans la présentation, hein, mais en tout cas, vous aurez accès à ça. Et à mon téléphone aussi. Parfait. Bah, merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée et surtout bon courage pour ce début d'année. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit très bonne année à vous aussi. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.